It ain't about fame. It ain't about fake friends. And screw your ex, it's such a flake. Forget your grades, you need a break. You, it's all about you. No matter what the others say. But now I'm done talking, the lights on me. I tell you, I guarantee this night's about to take a turn for the better. Now the rain is pouring and all I see is lightning around my feet. Now nothing can bring me down. I just wanna dance till my heart goes la la la. On a fini de presser ça, c'est pas mal. Bon, il y a quelques boîtes, du coup, on va venir l'enrubaner maintenant. Bon, alors normalement, il y a un jeune homme qui devrait venir me voir. Je sais pas s'il va venir ou pas, il m'avait téléphoné l'autre jour. Bon, parce que j'en peux plus, moi. Je veux arrêter, je veux faire autre chose. Toujours des pannes et des pannes et des pannes. Donc, si je peux avoir quelqu'un qui me rachète l'exploitation, on verra. C'est pas fait, rien n'est fait. Pour le moment, je vais rentrer à la ferme. Il y a du boulot et j'ai pas le temps. Voilà, donc j'ai pas grand temps à lui accorder. Il faudra qu'il prenne rendez-vous, qu'on prenne rendez-vous, qu'on fixe un rendez-vous correctement. Déjà le premier abord. Déjà, voilà, ce sera le bon. Ça le fera ou ça le fera pas, quoi. Donc on verra après. Allez, c'est bon, c'est parti. On va chouquignot. Allez, voilà. Il y aura quelques bottes. Le maïs pousse tranquillement. On est pas mal. Finalement, l'enrubanage, c'est bien fait. Eh oui, oui, hein. Faire de l'ensilage, c'est bien joli. Mais bon, j'ai la presse qui va bien. J'ai l'enrubaneuse qui va bien aussi. Donc, ça permet de travailler tout seul. Et c'est moins cher que l'ensileuse. Allez, parfait. Où c'est que je vais la dételer, cette presse? Bah, je vais la dételer par là. Hein. Oui, elle était là, donc je vais la remettre là. Allez, on va faire marche arrière. On va viser les poteaux. On va y aller tranquillement, voilà. On va pas abîmer le matériel. Essayer de faire ça propre. Bon, ça va qu'il n'y a pas eu de casse pour le moment. Les câbles, là. Allez, on va ouvrir la porte. Voilà. Hop. Ah, j'aurais pu couper les gyros. Après, j'oublie chaque fois. Et bon. On va l'étaler. Hop. Attends, bouge pas. Les flexibles. C'est bon. Le cardan. Allez. Tac. On décroche. Et bec. Et ils sont pas mal, ces petits boutons-là. Lui, je peux l'éteindre là, de toute façon. Pour aller enrubaner, je vais prendre le petit. Puisque oui, je vais prendre le petit. On va prendre le petit. Ça va aller tranquillement. Ah oui, je l'avais accroché là, lui. Parce que normalement, je devais sortir le fumier des limousines. Mais je l'ai pas fait. Allez. Ah, merde. Ah. Il y a une voiture. Attends, bouge pas. On verra après. Alors, qui c'est qui va là? Bonjour. Bonjour. Bonjour, je me présente. Jean-Marc de la Tour. Enchanté. J'ai vu votre ferme sur RDI. Ah, c'est toi qui m'as appelé? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Comme tu vois, je suis un peu dans le feu là. Ouais. J'ai pas trop le temps, il va pleuvoir et j'ai à peu près 45 bottes à,
en rubané, là, j'ai pas vraiment le temps. Et du coup, tu serais intéressé pour quoi? Pour acheter la ferme? Ah, éventuellement, ouais, j'aimerais me reconvertir. J'ai Ouais. la chance d'avoir, on va dire, quelques fonds et l'agriculture m'intéresse et ça me D'accord. plairait bien comme reconversion. Donc, j'ai vu, comme dit, sur le répertoire d'installation ta ferme. Donc, Ouais. je voudrais déjà savoir, tu es vraiment intéressé par potentiellement la vendre, ou Oui. pas? Qu'est-ce qui te motive? Parce que tu as une J'en ai belle marre. installation, tu as des beaux tracteurs. J'en ai marre. Des crédits, en veux-tu, en voilà, il n'y a rien qui marche, le robot là-bas il est en panne. Voilà, donc compliqué. Très très compliqué. Aujourd'hui l'agriculture, c'est plus ce que c'était. Et je ne veux pas te décourager, mais tu as intérêt d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Ouais, alors j'ai du courage, j'ai l'avantage d'avoir aussi on va dire, un bon petit pécule. J'ai réussi Ouais, à parce faire que il y en a pour un petit quelques paquet bonnes d'argent affaires, quand on même va là. dire. Donc c'est pour ça que je pense que je vais peut-être partir peut-être un peu plus facilement et démarrer un peu plus facilement. D'accord. Bon. Donc si ça peut le faire, après bah dis-moi si t'es là très occupé, Là, je suis quand vraiment est-ce très qu'on très peut. occupé, je suis débordé, je suis désolé. Par contre, on peut se caler un rendez-vous la semaine prochaine. Je te fais faire le tour du propriétaire. Je te dis ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Au jour d'aujourd'hui, il faut que je la fasse expertiser. Donc, je ne sais pas du tout combien elle peut valoir. Je sais que le robot, il me demande une certaine somme pour le réparer. Il fonctionne pas. Ouais, Aujourd'hui, je me faudra ça, on en sers. tiendra compte effectivement quand Voilà. même. Je me sers du bol du voisin parce qu'il voilà, il n'en a pas besoin pour le moment, mais ça va pas durer. Il faudra le lui rendre tôt ou tard. Donc voilà. Mais tu vois là, au contraire, enfin, ça me fait plaisir de te voir. Premier échange déjà, premier abord, ça peut être pas mal. Je te ferai faire un tour du propriétaire et puis voilà, on peut se donner un rendez-vous la semaine prochaine. Si le par exemple mercredi ou jeudi prochain. Souvent le mercredi, je vais amener des veaux limousins à vendre. Donc du coup le D'accord. matin, je reviens vers entre 10h30 et 11h. Donc on pourrait se caler entre 11h et midi. Et comme ça, je te fais faire le tour du propriétaire. On s'assoit et voilà. Ouais, moi, il n'y a pas de problème en plus. Ça te Enfin, je suis va? pas très très loin, donc je Ok. peux venir facilement. Il Ouais. n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Bon. Ça marche. Mais écoute, je ne me Bah écoute, retarde très pas. bien, Hein, alors on se dit à mercredi prochain. on se dit à mercredi prochain. Ça marche. Allez, bon courage. Merci, bonne journée. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, c'est parti, on va pouvoir démarrer le petit 16h40. Et puis, on va aller chercher l'enrubanneuse. Et là-bas, chez le voisin. C'est pareil. Ouais, je vais laisser la porte ouverte, c'est pas grave. Ça risque rien. Ça aère un peu parce qu'il n'y a pas la clim dans celui-là. Et puis, on va aller dans le champ du fond là-bas. On va faire le premier le plus loin possible. Alors, attends, on va aller à gauche. Hop, on va tourner. On va mettre deux. Oula. Ah, ça c'est le touriste. Eh mais arrête-toi pas là! Bonjour, mais c'est pas possible ça! Ouh, c'est pénible alors! Possible ça, touriste. Hein. Ah, eh, déconne pas, hein! Voilà, là, c'est bon, on est parti. Allez, heureusement que j'ai ce petit local là. Parce que c'est pareil, je sais pas où stocker le matériel. Et c'est un truc de fou des fois. Il faudra que je lui entretienne le champ aussi là, mais. J'ai pas eu le temps encore, tu vois, donc là il y a les pandeurs, ouais. Donc là je vais calquer un peu l'herbe, mais tant pis. Hein. Tant pis, tant pis, j'ai pas le temps de venir le faucher, donc je viendrai plus tard. Allez. Bon, ben du coup c'est cool. On verra ce que vaut ce jeune homme. J'espère pour lui qu'il a de la motivation, parce que il en faut dans ce métier. Il n'y a jamais rien qui va. Là tu crois que ça va marcher, et puis finalement ça marche pas, donc... Et, allez, ça doit être bon. Presse le relevage. C'est bon. Allez, on peut atteler. Ouais. Impec. Ça, c'est pareil. À l'époque, on avait fait monter une prise de double effet. Parce que sinon, sur ce tracteur, parce que sinon, ça marchait pas. Hein. Allez, on y va. Alors, j'espère que tout va fonctionner. Pour une fois, ça serait pas mal que tout fonctionne dans le bon sens. Ouf, des fois, hein. Je te dis que des fois ça fait quand ça fait que temps, hein. Allez. Bon, il y a une quarantaine de bottes, même pas, je crois pas. Peut-être une trentaine, j'ai pas compté. À vrai dire, j'ai pas compté. Entre 30 et 35. Peut-être pas mal. Pas toujours ça là. Allez, je passe. Je passe, je t'ai dit. Ah non, mais c'est touriste, hein. C'est pénible, hein. Ah, ça fait du bien d'avoir la porte ouverte là. Ça fait un petit air.
Et il fait pas chaud en ce mois de juillet. C'est début juillet. Bon, le temps menace. C'est pour ça que j'ai fait de l'enrubannage, parce que c'était du riz gras trop épais. Donc impossible de le sécher. Pour le moment, faire du foin, ça ressort de l'impossible. Donc je me suis dit, tant pis, on va faire de l'enrubannage. Et comme ça, au moins, c'est des bottes qui sont sauvées. Comme je ne fais pas d'ensilage, ça fera toujours des bottes supplémentaires. Attends, je vais mettre le clignot. Hop, voilà, on me voit bien. Parce qu'encore, normalement, il y a une voiture derrière, mais elle est loin. Reste au bord de la route. Ah, le menuisier aussi, il a vendu là. Ça y est, il est parti. Non, mais le village se dépeuple. J'ai entendu que la boucherie aussi, au centre du village, elle avait fermé. Comme ça. Et je crois que le boulanger, il va pas tarder. Allez. Enfin. Comme ça. Voilà. Ici, il va falloir que j'agrandisse les passes. Oh, rien que ça aussi, c'est pareil. Je désespère, quoi. Allez, on va appuyer sur le vérin. On va la déplier. Allez. Hop. Petite enrubanneuse Goël. Ça fonctionne à merveille. Allez. Il est bien prendre les bottes. Et ça marche. Hop. Voilà. Impec. Ah ben c'est ni plus ni moins que du film dans une botte dans un film. Hein. Et ça fermente en aérobie. Ouais. Ah pardon. Je vais pas appuyer sur le bon vérin. Ça fermente en aérobie. Et au moins tu sais qu'elles sont sauvées, ils peuvent le voir, ça bouge plus. C'est fermé, c'est fini. Alors là, l'hydrométrie était pas trop mal. Allez, fais voir, on va y aller tout doucement. Voilà. Allez, elles étaient quand même à un pourcentage d'humidité qui était excellent. Donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Et encore le train? Yeah, mais. Ouf. Ah, je crois que bientôt il passera plus lui non plus. La gare doit fermer aussi. Impeccable, ça, tout va bien, hein. Qu'est-ce que tu veux rester là? J'ai un voisin, là, il vient de vendre. L'agriculteur qui. Mon fils est parti à la ville et il n'a pas repris. Et il vient de vendre. Voilà. Un jeune, pareil, qui s'installe. Et il a mis des. Il a mis, je crois, des brebis. Des brebis ou. Ouais, des brebis, je crois. Des brebis laitières. Brebis laitières. Ça merde plus les jeunes maintenant. Ils veulent pas. Il va le bien venir à la campagne, mais il va pas s'emmerder. Je les comprends. Je vais arriver à la choper. Oui, c'est bon. Je les comprends. Moi, si j'avais su, je me serais pas installé. Je serais parti. Je serais parti. Et là, avec ce que je vais avoir, si tout va bien, je peux te dire une chose, c'est que. Je vais pas m'emmerder. Hein. Je vais acheter une ferme céréalière. Pas d'animaux. Que les céréales. Un truc à 500, 600 ou 700 hectares. Et je vais pas me faire chier. Et un petit pas d'animaux. Comme ça, au moins, je suis pas emmerdé. Je suis pas la strainte. Les animaux, c'est la croix et la bannière. Et puis, advienne que pourra. Voilà, au moins, comme ça, je serai pas embêté. Pas d'astreinte, pas de robot qui tombe en panne, pas de veau déclassé parce que il fait 3 kilos de plus. Impeccable, ça me va. Ça dit que oh, ça devient infernal, hein. Infernal, invivable. Le bol est tombé. Allez, vas-y. Ah oui. Oh. Je sais pas du tout, il faut que je la fasse estimer, mon exploitation. Et après, on verra en fonction d'eux. Une fois que j'aurai fait estimer mon exploitation, je me délocaliserai de ce pays de merde et j'irai dans une petite campagne. Voilà. Mais avec une grande ville autour. Et de la céréale, et on n'en parle plus. Au moins comme ça, je ne suis pas embêté. Il n'y a que ça qui fonctionne.
Et encore, il n'y a que ça qui fonctionne, ou pas. Dans l'agriculture, je ne sais pas trop qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais bon. Bref, pas d'animaux, les animaux c'est de l'esclavage. Et aberrant. Eh bien, ça se passe quand même plutôt pas mal. Ah! Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va aller un peu banner celle-là. Il en manque quoi? Ah, mais si, il en a quelques-unes encore. Attends, regarde. Il est tellement solide ce tracteur que. Regarde! Et c'est un buffle ce tracteur, je te le dis, moi. Excellent! Avec la roue du tracteur, t'as vu un peu? Impeccable. Nickel. Allez, ça bip, c'est normal. C'est le démarrage du film. Ah, Goël. C'est de la qualité, Goël. On va dire ce qu'on veut, mais. Pas vraiment trop mal. Et on va prendre celle-là. Et bec. Après, je dois faire quoi? 150, 200 bottes d'enribanné dans l'année? Ouais, à peu près. Allez, 200 peut-être à tout casser. Elle force pas. Hein. Elle force pas. Hein. Bon, elle est pas à moi, elle est à la Cuma, hein, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, tu l'as à disposition, elle est à côté de la maison en plus, puisque le local de la Cuma est juste à côté, comme les pandeurs, comme plein d'outils qu'on a en Cuma. Hein, à un moment donné, trop d'outils de toute façon. Pas bon. Ça tombe toujours en panne. Là, t'es pas emmerdé. Les pannes, tu payes pas. Enfin, si, tu payes, mais. Inclus dans la location, j'ai dit, ce que tu reverses à la Cuma. Pas emmerdé, c'est pas emmerdant. Voilà. C'est quand même plus pratique. Hein. Après, je sais que mon voisin là qui lui par contre il en fait beaucoup. Mais autre chose, c'est un autre monde, quoi. C'est l'exploitation que tu as vu la dernière fois quand on a été chez mon Eddy Farmer. Voilà. Il est pas loin, mais il fait les cochons. tout ce qui fait pas en céréales, il le fait en enrubannage. Hein. Point aussi, je crois. Et ainsi là, je non parce que ah quoi que si la dernière fois, je crois qu'il en a amené au méthaniseur et qu'il m'avait dit que ça avait rapporté pas mal. Eh ben écoute, c'est pas trop mal, hein. On aura fini d'enrubanner le premier champ. Impec. Allez, c'est bon. On pourra rentrer à la ferme. Faire celui de la ferme. Et voilà. On va replier ça. Et nickel. Et ça se replie. Allez. Ça remonte. Et ça se replie. Allez, impeccable. On y va. Personne à gauche. À part la petite voiturette. Touriste, il y a des touristes. Il y a des touristes partout ici. C'est infernal. Hein. L'été, là, ça devient. Ça devient horrible. Ah oui, je disais la SNCF. La SNCF, je crois que la gare va fermer. Pas. Bientôt, il restera que la poste. La poste. Bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein? Le village, là, il se dépeuple de jour en jour. Il n'y a que des retraités partout. T'as trois maisons trois maisons sur trois maisons, t'as un retraité. Autour de chez moi, là, il n'y a que des vieux. Que des vieux, que des vieux, que des vieux. Oui, je tourne, regarde. Je mets le clignot. Un peu tard, mais je te le mets. Donc, qu'est-ce que tu veux y faire? À un moment donné, c'est comme le voisin là, qui est parti à la retraite il y a quoi? Il y a 2-3 ans, qui a trouvé personne et qui me dit: Tu veux pas m'acheter mes terres? Mais non, je veux pas t'acheter tes terres, j'en ai assez. J'en ai assez. Je veux que j'en foute. Hein. J'arrive déjà pas à m'occuper des miennes. Non, mais c'est vrai. Allez, impeccable. Oui, je tourne, madame. Normalement, je passe. Et je l'avais agrandi, ce passe-là. Allez, on va redéplier. Et c'est reparti. You think I'm going crazy, but I'm not missing you.
self-love. You think